Les gens d'Alrekstad s'adonnent-ils tous à des jeux d'amour aussi bruyants? Non, seulement mon mari. Il est incapable de satisfaire sa femme. Ah, le grand âge. Non, non. Il est encore jeune et vaillant. Avant, cela allait mieux. Nous étions inséparables durant les attaques. Vous faisiez cela pendant les pillages? La première fois, c'était dans un village en flammes. Au bout d'un moment, l'équipage nous l'a interdit. C'était trop distrayant, paraît-il. L'amour brûle plus fort lorsque la mort est proche. Avez-vous essayé d'évoquer ces beaux souvenirs? Oui, mais en parler, ce n'est pas pareil. J'ai besoin des sensations, des odeurs. Alors faites donc venir l'excitation d'une attaque dans votre lit. Tu pourrais nous aider à faire semblant. Cela fera couler ma rosée. Viens, allons en parler à mon mari. Je voulais seulement... Bon, d'accord. Saisis ton arme, fort et puissant viking. Aujourd'hui, nous passons à l'attaque. Un pillage? Maintenant? Rejoins-moi pour la danse sanglante. Emplis-moi de ton stupre de combat. Oh, oui, oui. Allons donc piller. Tu pourrais peut-être commencer par... casser des choses. Et crie un peu en le faisant, comme si c'était vraiment vrai. C'est amusant, mais pas très excitant. Non, ça n'a pas l'air assez vrai. Peut-être qu'il faudrait des flammes, comme la première fois. Oui, oui! Faisons brûler la maison, qu'on la rase complètement! Je suis aussi raide que la tour de Heimdall. Alors défonce les portes de Valgrind et pénètre au Valhalla. Prends tout le butin que tu voudras, viking. Prends-nous aussi et laisse la soif d'amour te consumer. Une autre fois, peut-être. Mais je vais quand même fouiller votre coffre. Ton clan tue la charogne. Peut-être, mais nous sommes forts. Seulement pour l'odeur. Viens me le redire. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald.
Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Azim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien ? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kyotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne ? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti ? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine ? Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie ? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et ses dons. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame et ne fais pas de mouvements brusques. Car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne. Gorm est là-bas. Dans ce campement. Tu t'attendais à quoi ? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide ? Il faut manger quelque chose, hein, avant de boire autant. Cette fille ne peut pas gagner. Eivor,
Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurai me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Le Ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. Ghostmaids in Vanhadi Lady, the Führer at Halfdan. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme, aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple, et depuis... les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans, et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotvesson, tu oses te montrer dans cette halle? Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotve. Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Tu es le roi de cette contrée, Harald. C'est à toi de décider. Une réponse humble et pleine d'honneur.
Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, ou je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler ? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjolve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon content de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi ? Par elle ? Mais qu'est-ce que tu fais, père ? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas, Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn ? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor ? Une guerrière telle que toi serait une bonne recrue pour moi. Mon sort est lié à celui de mon frère. Là où ira Sigurd, j'irai. Il vaudrait mieux pour nous deux que tu quittes la Norvège, afin d'éviter les brûlures qu'on doit aux frictions. Mon ambition n'est pas de régner, mais de vivre et de mourir dans la gloire. Peut-être bien, mais quelle que soit la ferveur de nos choix, c'est le destin qui décide de l'issue. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Les couleurs de Harald. Il marque déjà son territoire. Le marquer. Voilà. Il l'asperge déjà comme il a quelque chose à dire. Harald est peut-être jeune, mais il est malin. Ne le sous-estime pas. Il a vite acquis la maturité. Je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent. Je trouve ça flatteur. Ah.
J'ai besoin de ta vue, mon ami. C'est Eivor. Ouvre la porte. Entre, mais ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont t'entendre. Où allons-nous vivre? Les Anglais vont riposter. Ces guerres ne finiront jamais. Ou ils feront de nous tous des chrétiens. Silence, vous tous! Laissez-moi au moins la parole. Il y a deux jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer, un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Je comprends que tu t'y opposes, alors que ton père garde le butin pris à Kjotve. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Et t'emmènera à la capitale? Ah bon, tu crois? Oh, il prendrait son plaisir et passerait à une autre bécasse. Après t'avoir
laisser un petit soldat que tu... Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparé. Je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu des doutes ? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée ? Es-tu prête ? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts, tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement ? Que prépares-tu ? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Il est facile de s'égarer sur le chemin de la gloire. Ne laisse pas de fausses victoires te cacher la réalité. C'est toi qui me parles de fausses victoires, vieillard. Tu n'es qu'un ours fatigué qui a vendu son honneur en s'agenouillant. Plus je m'éloignerai d'ici, plus mon chant sera puissant. Je serai son ancre, Seigneur. Non, sois la voix de sa conscience. Qu'Ygir bénisse votre traversée. Donne-moi la sang. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va ? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Telle est notre destination. Allons, un chant pour nous alléger le houp. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu dois bien connaître l'Angleterre après tes voyages. J'ai passé une saison dans le royaume de Mercie. Un temps clément, des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Nous allons rejoindre leur armée ? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau. Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre ! Gloire et destinée ! Vers l'Angleterre ! Vers l'Angleterre ! Ou le Valhalla !
lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sirke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine. Et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sirke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrume améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? T'es loin de chez toi, Ivor. J'adorerais faire une partie, mais j'ai d'autres choses en tête. T'as trouvé mon thé ? C'est de la bonne qualité. Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté ? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus ? Confortable ? Plutôt stable, après quelques temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu ? Oui. Un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Jetons un coup d'œil. Thank you.
Allez, Sean, éteins-moi ce truc. Attends, j'ai bien aimé ce que tu as dit là-bas. Je veux le transmettre à la postérité. Redis-le, bien fort. T'es sérieux? Oui. Allez, au pire, ça me donnera un moyen de pression sur ton père. Ah, c'est ça l'idée. Super. Ce que j'ai dit, c'était que j'aurais aimé ne pas naître parmi les assassins. Que j'aurais préféré choisir cette vie. Ça te va comme ça? Oui, mais pourquoi? Parce que le choix constitue le cœur de notre credo. Il est à la base de tout, non? C'est l'essence du libre arbitre. Le fait d'avoir la preuve sous le nez et de dire « oui, c'est ce que je veux » ou « non, ce n'est pas pour moi ». Mais quand on est dans un groupe comme celui-là, ou n'importe quel autre, comme moi, les choses se mélangent. On te répète tout le temps que c'est ça qu'on doit croire. Les règles, la réalité, pas de place pour les questions. Et si t'as le malheur de douter, on te regarde comme si t'avais étranglé un hamster. Tu parles d'un libre arbitre. Je trouve ça plutôt ironique de tout faire reposer sur le libre arbitre, d'ailleurs, sans possibilité de croire à autre chose. C'est pas facile à formuler, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'autodestructeur dans notre credo. Si le libre arbitre est la plus importante des balises morales, on devrait être libre de l'ignorer. Choisir la soumission, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? On devrait pouvoir choisir le camp des Templiers. Si c'est mon choix, je devrais pouvoir le faire. D'accord. Mais cela revient à se renier. Une démocratie pourrait élire dans les règles un tyran ou décider de renoncer à la démocratie. Notre credo contient le germe de sa destruction. C'est ce qui fait sa puissance, je crois. Et sa fragilité. Ouais. Plus on a de liberté, plus les risques sont grands. C'est bien ça? Quoi qu'il en soit, mon père s'est adouci avec les années. Mais il était strict quand on vivait à la ferme. Il tenait ses troupes. J'ai jamais eu l'impression d'être libre, de choisir ma voie. On m'enfonçait dans la tête le credo et les préceptes. Une fois devenu ado, j'appliquais les règles par sens du devoir. C'était juste comme ça, c'est tout. Ça arrive à des tas d'organismes avec le temps. La stagnation s'installe, tu vois. Un fondamentalisme. Ouais. Suivre les règles devient plus important qu'atteindre l'objectif qu'on a pu se fixer pour soi-même. Et les gens commencent à perdre de vue la raison de ces règles. Ça s'appelle la déontologie, ou une forme approchante. Suivre une règle parce qu'elle existe, et non pas en raison de son objet. D'accord, mais c'est un peu à l'envers tout ça, non? Eh bien, je pense. Appliquer une règle, c'est facile. Prier, boire une gorgée de vin, avaler une hostie. Le propre d'un rituel est de rassurer. Mais ça devient des automatismes. Ça donne aux gens l'impression de faire quelque chose. Alors que le vrai travail, c'est, de se remuer un peu pour faire quelque chose de productif. Je crois que les gens veulent simplement être encadrés, avoir des limites bien dessinées, et voir les quatre murs qui les enferment. Je suis assez d'accord. Tout ce qui se trouve au-delà, et qui rend la vie plus compliquée, ça fait tout de suite peur. C'est pour ça que je t'envie. Tu l'as choisi, cette vie. Après être passé par toutes les étapes, tu t'es dit, voilà en quoi je crois. Oui, ça ne m'a pas empêché d'être un je-sais-tout insupportable quand j'étais ado. Mais je vois ce que tu veux dire. J'aurais adoré être un je-sais-tout, moi. J'avais absolument rien, jusqu'à ce que vous me trouviez. Ouais. C'était seulement quand je vous ai rencontré, Becca, Lucie et toi, que j'ai su que je voulais être un assassin. Oh, merci, Dess. Allez, viens ici, va. Viens, je n'aime pas beaucoup les contacts, mais je veux bien faire une exception. Non, je te ferai pas de câlin. Tu es sûr? Parce que je sens très bon aujourd'hui. Tu veux bien couper ce truc? J'ai vécu. Je suis mort. Et désormais je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre. Trouve l'ami des loups. Trouve le fou. Trouve-moi. Et sauve-nous tous d'une autre mort. Je me suis donné du mal pour t'apporter ici. J'espère que ça en vaut la peine.
Leila. Sean, qu'est-ce que tu penses de la tombe là-dehors? Eh bien, elle bouleverse plusieurs siècles d'études à propos des premiers Européens à être venus en Amérique. En dehors de ça, ce n'est qu'un tas d'os avec de la boue, non? Et sinon, on peut parler de ce truc sur ma nuque? Ah, le stabilisateur émotionnel. Oui. C'est pas dangereux. Je veux dire, je me sens bien. Mais j'aimerais être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Normalement, non. Il ne fait que bloquer les signaux extérieurs. Il est passif. C'est pour que le bâton ne te perturbe pas. Sean, pour ce qui s'est passé l'an dernier, je... J'avais aucun contrôle sur lui. J'ai essayé de résister. Je comprends. Et ton ancienne équipe, peut-être qu'elle n'avait jamais vu ce genre de choses. Mais nous, si. Néanmoins, si tu veux travailler avec nous et découvrir pourquoi le monde est sur le point de disparaître pour la deuxième fois en 8 ans, tu devras garder ce machin tant qu'on te le demandera. Ordre de William. D'accord, d'accord. Pas de problème. Il n'y en a plus que pour quelques semaines. Le temps qu'on règle ça. T'as raison. Je sais que t'as raison. Sean n'a pas chômé. Profitez de votre séjour. Rappelez-vous que vous devez emporter vos déchets et merci d'arroser les plantes tous les jours. Ça, je risque pas de m'en souvenir. Tu vas ranger ça au frigo, Sean ? Bien sûr. D'ici 30 secondes. Rappelle-toi que les tomates vont pas au frigo. Ça te gêne si je mets de la musique ? Non, vas-y. Cool. Sean, n'oublie pas d'arroser les plantes quand je serai là-dedans, d'accord? Je vais noter ça sur le calendrier et me le tatouer sur le mollet. Tu te sens bien? Mieux. Mais j'ai peur que ça recommence, les deux flux de données parallèles. Je peux rien te promettre. J'y comprends pas grand-chose non plus. C'était comme si deux esprits luttaient pour contrôler le même cerveau. Et autant te dire que ça faisait mal. Ah ouais, je vois. Il y a quelque chose dans cet échantillon d'ADN viking qui a l'air dense et bruyant. Est-ce que ce serait le bâton qui interfère? Comment ça? Mes migraines, mon humeur. Ça a commencé le jour où j'ai trouvé ce truc. J'espère que tu te cherches pas d'excuses pour, tu sais, ton ami. Non, pas du tout. Pardon. Bon, mais vas-y doucement. Et si t'as l'impression de dériver, dis-le nous. J'essaie. Vraiment. Ça fera du bien de dormir dans un vrai lit quand tout ça sera fini. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait une semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Leila, ça va? Désolée. Tu peux repasser le message? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... C'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la Terre. Trouve l'ami des loups, trouve le fou, trouve-moi.
C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va. Nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureuse de revoir la Terre. Et je le serai encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne. Le royaume de Mercy. En plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches ou des pièges nous attendront. Restons prudents. Ranvi, rentrez les rames. Tout le monde debout! Tu as aperçu quelque chose? Pas encore! Mais laissez-nous passer devant en éclaireur! Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon! Entendu! Puisse Thor vous accorder son aide! Nous nous verrons bientôt! Repartons! Oui! Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent! Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non! Mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Des quatre royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi, nous allons rejoindre leur armée? Non, non! Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu Timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux, et faisons des vœux devant elles. Comme nos sacrifices à Odin le Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau, voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Regarde! Qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Connaît-on si mal les coutumes des chrétiens? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours! Ils offrent à leur dieu des objets en métaux précieux, ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Ils auront tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Dag, arrêtez les navires. Nous allons accoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne? Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches.
mais il doit être possible de la détacher dans ce campement. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si des ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Tiens-toi tranquille. Je ne dois pas être vu par ici. Cette chaîne est énorme, et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. À aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse retirer quelque chose. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples.
Dag. Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Lesquels géants ? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres et des cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez-là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver ? Non. Allons voir ça de plus près. Ce ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et mal vêtus. Nous devrions continuer à pied. Je ne vois pas nos navires. Je vais y aller, avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Qui sont ces hommes ? Ils ont un accent curieux. Anglais, sans doute. Dag, Eivor, sur moi. Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières ? Voilà. Quel est ton nom ? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Et vous êtes ? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païen. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer, et tu espères nous faire trembler ? Je viens de passer 8 jours en mer, sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc, et prends ton arme. Oh ! On les tue tous ! Massacrez ces chiens de ma gueule ! Tes désirs vont être exaucés, Dag. Je me sens déjà chez moi. Oh!
Jetez un œil aux alentours, vous tous. Je ne veux plus de surprises. D'accord. Je vais examiner la maison longue. Ils mangeaient des rats. Pas étonnant qu'ils se soient battus comme de la vermine. Sigurd, Dag, par ici. Ils avaient des prisonniers. Eivor, regarde ça. Toi là, détache-nous. Laisse-nous partir et on ne te fera rien. Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous ? Yanli, je suis une marchande, pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie, je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite, comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire. Et comment vous êtes-vous retrouvés ici ? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Havdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Qu'on les détache. Vous connaissez les fils de Ragnar ? Oui, je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant ? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais... ce ne sera pas facile. Chaque bourré village a besoin d'une écurie, pour prendre soin des chevaux. Je trouverai bien du travail quelque part. Une idée, peut-être ? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag ? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rowan, je suis Sigurd, Jarl de Thornberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors, c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Étrangers, puis amis, puis frères. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. Honorés parents et amis, bienvenue dans votre nouveau foyer. Thank you.
Beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Ranvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses quatre royaumes. La Mercy, l'Est Anglie, la Northumbrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercy, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous ? Ici, dans ce bosquet dépourvu de noms. Pas de nom, dis-tu ? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu ? J'ai peut-être une idée. Ravenstorp, le village des grands corbeaux. Ça me plaît. La poétesse qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part ? Il nous faut des ressources, des marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivés, le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Au travail, ma douce. Et qu'as-tu... L'endroit n'est pas mauvais, Eivor. Est-ce que je peux t'aider ? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors ? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Non, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte, et fais-en un meilleur usage qu'eux.